Est-ce que ça nous mettrait pas dans l'ambiance? Yo tout le monde, c'est Aurel aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va découvrir un nouveau jeu mobile, enfin nouveau. Vous l'avez peut-être déjà vu il y a pas mal de temps. On est sur One Piece Burning Wild qui est sorti en Chine tout simplement. Donc je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent tester. Vous pouvez tout de même tester tout simplement. Il vous suffit de télécharger l'APK du jeu et puis bon, il y a le site officiel et tout le tralala. Donc voilà. Et du coup. Eh bien, on va tester tout simplement ça ensemble et ça risque d'être assez sympa parce que le jeu a l'air extrêmement bon et déjà, il y a les musiques. Bon, on va se dépêcher de jouer avant que j'ai les copyrights, les machins qui arrivent tout simplement sur moi. Hein, parce que bon, on le sait, sur YouTube, c'est compliqué quand on n'a pas les droits. Bon, vous voyez que ça a l'air de reprendre. Alors, je sais pas jusque où ça va au niveau de l'histoire, mais j'ai vu qu'il y avait déjà Aokiji et tout ça. Donc, à mon avis, ça va plus loin que Water 7. À voir est-ce que ça va déjà à 2 ans plus tard. Et on a la première cinématique du jeu. C'est là qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça de notre côté. Parce que déjà, on a les voix. Un niveau cinématique. C'est joli quand même. Hein, on va pas se le cacher que faut bien se mettre en tête que c'est du mobile. Donc ça reste très joli. Ça reste. C'est limite aussi joli que certains jeux console au final qu'on a déjà eu. Donc apparemment on est directement avec Luffy et Kobe, donc on va pas avoir le truc avec Alvida et là il nous raconte l'histoire de Zoro tout simplement. Et on va très certainement aller le sauver, je suppose. On doit arriver sur l'île où il est. Où il va se faire exécuter, même j'ai envie de dire. Mais oui, c'est ça. En tout cas, impatient de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, on est avec Luffy directement, donc là on peut choisir notre pseudo. Bon, moi je vais m'appeler Aurel, parce que je sais pas si ça va passer, parce que parfois ils acceptent pas tous les caractères. D'ailleurs, à mon avis, ça doit pas passer, c'est peut-être parce que j'ai mis des majuscules. Attendez, on va tester ça en majuscules. Non, ça passe pas. Donc on va mettre un pseudo aléatoire chinois du coup. Voilà, on va s'appeler je ne sais pas comment 431, si c'est pas beau ça. Et du coup, on a directement le hub du jeu. Alors bon, évidemment, je ne sais pas vous traduire tout ce qu'il nous raconte, clairement. Donc on va faire tout simplement, on va suivre un petit peu ce qu'ils nous disent. Bon, très bien, évidemment, on n'a pas les voix tout le temps, c'est seulement durant les cinématiques, mais on doit avoir les cinématiques les plus importantes, très certainement. En tout cas, le jeu est très joli. Hein. Parce que c'est sur mobile, donc souvent les jeux mobiles, c'est vrai qu'on a des trucs pixelisés et tout, ici, c'est pas du tout le cas. Donc ça fait plaisir, alors où est-ce que je dois aller, là? Ok, je peux bouger, du coup, comme ça, par moi-même. Très bien, bon, normal, un petit peu. Je suis sur PC aussi, donc pour ceux qui se demandent, j'utilise comme émulateur BlueStacks. What? C'est un autre joueur? Ouais, je crois que c'était un autre joueur. Du coup, on voit directement les autres joueurs dans le hub comme ça. C'est pas mal, ça. Je laisse les cinématiques même si, bon, du coup on comprend rien parce qu'on n'a même pas les sous-titres ni rien, mais... En tout cas, c'est grave sympa d'avoir des cinématiques comme ça. C'est vrai que nous, ça nous manque souvent dans nos jeux parce que, bon, il n'y a pas autant. Je sais plus ce qu'ils ont exactement, mais en Chine, au niveau des droits, etc., les droits d'auteur et tout, ils n'ont pas les mêmes soucis que chez nous et tout ça. Ils sont beaucoup plus souples là-bas. Donc, c'est vrai qu'on aura pas forcément des jeux comme ça et tout, avec les vraies musiques, parce qu'on a eu les vraies musiques au début. J'ai essayé d'écouter un peu les OST pour voir si c'est les vraies musiques aussi. Enfin, celles de l'anime au moins. Ouais.
Bon, il y a des petits bugs apparemment, on n'a pas tout le temps les voix et tout, je sais pas trop si c'est... je sais pas. Bon, dites-vous que c'est le début du jeu, donc je crois qu'il vient de sortir officiellement en plus. Donc il n'y a pas très longtemps. Du coup, dites-vous qu'il y a peut-être des trucs qu'il faut revoir, etc. Qu'il y aura des updates et tout le tralala pour ceux qui veulent un petit peu plus jouer. Ok. Et je crois que, ouais, c'est ça, il y a d'autres, on voit directement d'autres joueurs, donc on est vraiment, et on peut se balader partout, j'ai l'impression. C'est ça qui est ouf, c'est qu'on était dans la ville, puis là, boum, on se retrouve à un autre endroit, on peut se balader tranquille et tout. Là, ce qui serait ouf, c'est qu'on ait une séquence de bateau, genre où tu peux te balader vraiment dans le monde avec ton bateau et tout. À mon avis, ça, j'espère un petit peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme menu, du coup? On a des cadeaux ici, est-ce qu'on en a, nous? C'est tous nos cadeaux, ça? Mais non. Peut-être que c'est tous nos cadeaux, et je sais pas trop du coup si c'est tous nos cadeaux ou pas. Alors là, c'est quoi? Du coup, ici, on a la boutique. Bon, on voit un petit peu tout ce qu'il y a comme monnaie. Bon, souvent, les jeux chinois, je vous le dis, il y a énormément de boutiques, etc. Il y a un petit peu plus de systèmes d'achat aussi que chez nous, parce que souvent, ils ont des systèmes de VIP sur leur jeu et tout. Nous, on n'a pas des systèmes comme ça. Donc, bon, on check un petit peu. Ce qu'il y a, donc il y a différentes boutiques, effectivement. Bon, je regarde rapidement, est-ce qu'il y a un système d'invocation ou pas. Je pense qu'il devrait y avoir un système d'invocation, mais... Ah, ici on voit nos personnages, du coup, donc on a Luffy. Alors, la 3D, franchement, elle est bien faite, hein. Franchement, quand on voit les persos comme ça, on voit ses stats. Bon, évidemment, je ne sais pas vous dire ce que c'est. Il est de rareté SR. Ok, il est 3 étoiles, on voit ses techniques ici. Est-ce que c'est le Gear Second, ça? Je sais pas si c'est le Gear Second ou pas, du coup on dirait, mais... Je sais pas trop, alors là c'est quoi? Ah, ici c'est très certainement pour l'équiper, du coup, pour augmenter ses stats, etc. Bon, on verra bien, de toute manière, on a aussi Kobe, du coup, qui est là. Il est un petit peu plus moche, hein. Bon, apparemment, niveau personnage, on a le droit à des équipes de 5. Et ça, à mon avis, c'est pour faire une équipe automatique, ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. On a plein d'onglets partout, on a un arbre de compétences aussi sur les persos apparemment qui débloquent des... J'ai l'impression des attaques. Ici ça doit être sa roue d'attaque. Très certainement, donc là on peut le... C'est peut-être pour les doublons ça ici, parce que... Ah non, c'est pour l'évoluer au niveau des étoiles. Ok, très bien. Ici c'est pour augmenter ses stats aussi, je suppose, et là je sais pas trop c'est pourquoi. Bon, c'est pas très grave, on va parler à Zoro, parce que je suppose que c'est ça qu'il faut faire. Bon, on n'a pas tout le temps les dialogues, mais c'est déjà pas mal, et on a effectivement les musiques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est les musiques de l'anime. Bon, ce qui est bien, c'est que ça a beau être chinois, globalement, on sait jouer au jeu, dans le sens où ils ont des trucs souvent automatiques et tout. Vous voyez ici, bah, pour l'émission, même si je sais pas ce qu'ils racontent, j'ai juste à cliquer dessus, puis ça va automatiquement parler à la bonne personne. Bon, de toute façon, pour ceux qui connaissent un petit peu One Piece, on doit s'y repérer assez rapidement, hein, je pense. Ah, du coup, on a notre première mission, très certainement notre premier combat. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, le blond. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il a un nom de merde en plus, il me semble. Enfin, genre il a un nom tout bidon comme ça. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Donc, hop, on a le système du coup de combat. Alors c'est un peu en mode RPG. Alors apparemment on a une barre là. Ça, je sais pas ce que c'est par contre.
Ah ok, donc ça en fait ça doit être notre énergie, les espèces de rubis qu'on a en bas. Et donc les attaques on peut les utiliser, ils consomment à chaque fois de l'énergie. Hop. Et on peut apparemment même enchaîner les attaques si on a assez d'énergie. Donc je suppose que ça doit se recharger petit à petit. En bas on a le comment le voilà ce qui nous montre là c'est on voit dans quel ordre jouent les personnages. C'est un petit peu comme sur Dofus en fait. Hein. C'est du tour par tour un petit peu comme sur Dofus où les persos jouent l'un après l'autre. Il y a des petits temps d'attente etc. Donc hop. Alors apparemment nous on fait les attaques automatiquement puis on a du temps pour pouvoir utiliser les spé. J'ai l'impression. Oh, franchement, c'est stylé parce que les animations de fin de combat et tout, c'est ce que Luffy pourrait faire et tout quand il reprend son chapeau. C'est ça qui est stylé. Ça, c'est cool d'avoir des jeux qui suivent vraiment le manga ou l'anime à ce point-là. Bon, à voir s'il y a toutes les grosses scènes qui sont refaites. On vient de gagner notre premier combat du coup. Ok, on est de retour du coup où il y a Zoro. Je suppose qu'on vient de libérer et puis là il va nous dire apporte-moi mes trois sabres, je sais pas quoi là, parce qu'on vient. On vient. Enfin, il y a Luffy qui vient lui demander ouais rejoins mon équipage et tout, je te veux. Bon, on connaît Luffy, hein, clairement. Il y a des Ener et tout, ou c'est moi qui me. Ouais, je crois qu'il y avait Ener qui traînait et tout. Apparemment il y a des gens qui ont débloqué Ener. Je sais pas si c'est un système d'invocation. Ou pas, on verra bien. Ah, par contre, c'est stylé ça. Du coup, on se balade dans les bâtiments et tout ça. C'est vrai que c'est. C'est autre chose en fait que d'enchaîner. Parce que souvent. Ah, je pouvais pas utiliser cette attaque là, tiens. Kobe aussi, il a une attaque. On voit qu'il se bat avec sa serpillière là. Donc, c'est vraiment tour par tour. Mais faut être attentif. Parce que clairement, quand c'est ton tour, t'as pas énormément de temps. Il y a la barre de temps à droite de tes compétences. Ah, d'ailleurs, je crois que j'ai l'aspect là. Non? Je sais pas ce que c'est ça. Parce que c'était en mode feu et tout. J'avais peut-être pas assez de points d'énergie. Attendez, j'ai pas fait gaffe. Ok. Bon, souvent c'est. Ah, voilà, en fait, je peux maintenir, je crois. Ah, ok, si je maintiens, en fait, ça fait l'aspect. Donc ça doit être plutôt l'attaque ultime, on va dire. Ah, c'est stylé niveau animation et tout, faut avouer que c'est. On pourrait avoir un jeu One Piece comme ça, nous, s'il vous plaît. Ce serait ouf. Même ils nous sortent un jeu One Piece un petit peu comme ça, mais sans musique. Enfin, sans les musiques officielles, parce que ça, c'est compliqué d'avoir les droits chez nous. Limite, bon, ils mettent pas autant de voix et tout qu'ici, mais ça serait tellement stylé par rapport aux jeux qu'on a chez nous. Parce que les jeux One Piece qu'on a eu chez nous, bon, on a Treasure Cruise, ok, on a Thousand Sword. Alors, je dis pas qu'ils sont nuls, mais. Ça a l'air beaucoup plus sympa ici. Je sais plus du tout comment est-ce qu'il s'appelle, hein, lui. Ok. Donc en fait, à chaque fois que j'attaque, je peux charger ma spé. Vous voyez qu'elle se charge petit à petit. Là, on a une jauge en dessous. Par contre, faut aller très vite pour utiliser les. Enfin, je dis la spé, mais c'est plutôt l'ultime. Faut aller très vite pour utiliser la spé des personnages, par contre. Hop, petit enchaînement, boum. On peut choisir les combos qu'on fait, hein, dans quel ordre est-ce qu'on les fait et tout. Au final, alors est-ce que c'est leur vie? Parce que je regarde un petit peu le menu du coup. Est-ce qu'au-dessus, c'est leur vie qu'ils ont en tout? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ça, c'est la vie complète de l'équipe qu'il y avait en face du coup, et ça, c'est la nôtre. Si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut repérer un petit peu? On a la jauge en dessous orange de Luffy, je sais pas ce que c'est par contre. Bon, évidemment, on gagne de l'XP, des items, très certainement de l'argent et tout quand on gagne un combat. Bon, ça reste assez. Assez classique, j'ai envie de dire. Ouais. Ah, c'est cool, ils nous montrent les petites scènes comme ça, même si c'est des scènes un peu. Enfin, c'est pas random parce qu'ils sauvent quand même.
Zoro, mais bon, ils sont pas obligés de nous montrer ça, ils nous le montrent quand même. Ça, c'est cool. Je sais pas du tout jusque où va le jeu. Mais ça peut être tellement stylé. Ok. Donc là, on débloque Zoro. Bon, c'est des persos qu'on doit débloquer très simplement au niveau de l'histoire, à mon avis. Puis il doit y avoir un système d'invocation et tout. Donc là, notamment, on vient d'utiliser des points pour débloquer une compétence apparemment qu'on peut mettre sur notre personnage. Parce qu'on a toutes les compétences équipées. Et ça, c'est certainement l'ultime, le gros rond qu'il y a derrière. Très bien. Je voulais quand même voir un petit peu plus, moi, mon équipe. Parce que je vois que j'ai des trucs débloqués avec Luffy aussi. Je peux lui débloquer. Bon, je sais pas ce que c'est, malheureusement. Donc, on va débloquer en mode random celle-ci. Est-ce que je peux lui mettre? Ok, donc je peux lui mettre. Il y a certainement des passifs et des actifs hein, là-dedans aussi. Enfin, je doute que ça soit que des compétences que tu peux vraiment mettre. Ça, il doit y avoir des passifs, je pense. En tout cas, c'est très très stylé. Bon, il a pas mal de compétences de base, hein, Luffy. Est-ce qu'on les a toutes, du coup? Parce qu'on en a 5 de débloquer. On a que 4 places. C'est laquelle qu'on n'a pas? C'est celle-ci. Ah non, mais ça, c'est un passif, non? Je crois que c'est des passifs, en fait, ici, non? Enfin, quoi que, non, celle-ci, on peut le mettre. Celle-ci aussi. Celle-ci, on peut pas. À mon avis, du coup, les actifs, enfin, les compétences, c'est celle où c'est marqué en rouge en dessous, et bleu, ça doit être un peu en mode passif. Je dirais que c'est ça, et on a pas mal, l'air de rien, d'actifs, enfin, de compétences, du coup, c'est pas mal, ça. Alors, avec Kobe, qu'est-ce qu'on a? On peut débloquer... Bon, on va... débloquer les techniques qu'on peut lui mettre. Comme ça, ça sera plus sympa. On peut voir un petit peu les animations qu'il y a en combat. C'est toujours plus sympa en vidéo. Et je peux même lui débloquer, du coup, son passif. On va voir si j'ai raison ou pas. Donc là, si je lui mets ça, genre, je peux pas. Parce que c'est bien un passif, du coup. Oh, on a les petites voix aussi à chaque fois. Bon, je débloque un petit peu tout ce que je peux. C'est bien parce que en fait, les jeux, l'air de rien, mais vous voyez que il y a à chaque fois un petit truc là où on peut débloquer quelque chose. Alors pourquoi est-ce qu'ils me disent... Ça c'est déjà mis, ça c'est déjà mis du coup. Pourquoi est-ce qu'ils me disent que je peux encore... Non, je peux pas débloquer. Parce que c'est bizarre, j'ai encore un point rouge dessus. Et je ne sais pas pourquoi. Ok, donc ici on a des bouquins, c'est peut-être pour débloquer plus facilement une compétence, j'en sais rien. Bon, très bien. Je disais que c'est assez intuitif, mais au final... Je vois que j'ai des trucs rouges, est-ce qu'on pourrait pas du coup... Ah oui, si, on peut améliorer. Donc si je veux améliorer une de ces compétences ou de ces passifs, je peux. Ok, c'est pour ça en fait que ça me disait que ça me mettait des trucs rouges. Donc je peux en utilisant des espèces de pierres là. Qu'est-ce que je peux encore améliorer du coup? Celui-ci. Bon, je sais pas si c'est bien d'améliorer tout comme ça, mais on va le faire. Et du coup avec Luffy aussi, je suppose qu'on peut. À mon avis, il doit y avoir un truc pour le faire automatiquement, je pense. Oh non, ça c'est pour retirer toutes les attaques, très bien. Ah non, pour réinitialiser carrément le truc, parce que du coup ça m'a enlevé ça, donc c'était pour réinitialiser, bon je découvre. Hein. Et j'ai plus mon attaque spé. L'attaque spé c'était ça. Ouais c'est ça. On va améliorer d'ailleurs l'aspect. Hop, bon ok, on a vu un petit peu à quoi est-ce que ça ressemblait, très bien. On peut passer à la mission suivante, on va voir si on fait un petit peu plus de dégâts ou pas. Il y a Morgan qui nous attend, on est déjà au combat de boss, j'ai l'impression. Même les randoms, ils sont bien faits. Bon, ils ont des têtes de random, mais... Je veux dire, ils sont pas dégueux. Hein. Ok, Morgan. Très bien, bon, ça nous dit qu'il est niveau 5. Hop, boum. Bon, évidemment, je peux pas enchaîner comme je veux les attaques. Oh, c'est stylé. C'est stylé, stylé. Hop, je peux enchaîner ça. Puis ça, bon, apparemment, c'est des attaques qui touchent qu'un seul perso. Peut-être que j'en aurai plus tard qui touchent deux persos.
Alors lui, il a l'air d'avoir une compétence du coup qui lui redonne la vie, très bien. La deuxième que je lui ai apprise. Ok, bon, Morgane, il fait ses petits dégâts quand même. Hein? Oh là là, mais oui, Luffy. Oh, il nous a mis un effet de sang, donc enfin perdre un petit peu de vie à chaque tour, je pense. Il switch de perso quand il y en a un qui meurt. Je voulais voir si on pouvait focus un personnage, mais du coup, il n'y a plus que Morgane, donc à mon avis, on doit pas pouvoir. Donc ça lui redonne de la vie, puis je peux enchaîner. Ok, bon, par contre, faut être rapide parce que j'ai l'impression que le temps qu'on a pour attaquer est pas très très long. Et on a à chaque fois l'animation de fin là avec le personnage quand on termine un combat du coup. Bon, celle de Kobe elle est nulle. Il parle même pas, il fait rien. Ok, donc on a recruté Zoro. Alors on va voir si on change d'endroit. J'ai envie de voir quand on change de ville en fait. C'est ça le truc surtout. Ça doit être un dialogue. Elle dit oh merci, ouais, cool. Moi je reste ici, là je vais à la marine. Hein, ça c'est Kobe. Très bien. Et du coup, j'aimerais bien voir si on change d'île, si on peut vraiment se balader dans l'environnement d'une autre île et tout. Parce que s'il y a ça, à chaque fois que tu changes d'endroit, c'est stylé. Hein. C'est même grave ouf. Manquerait plus qu'il y ait le fait de se balader en bateau. Ah oui, je sais plus, il n'y a pas la marine qui les remercie en soi parce que Morgane c'est un tyran, je sais plus quoi, il y avait une histoire pareille aussi, je crois. Ça fait grave longtemps que j'ai plus vu le début de One Piece. Peut-être que je devrais me remater ça un jour. Bon, je suppose qu'il est marqué genre chapitre 2. Pff, comment il court par contre? C'est fou parce que c'est vraiment repris dans le manga ou dans l'anime. Il y a aussi ces images-là, boum, où tu vois Luffy qui tombe d'un coup et tout comme ça. Oh, il bouffe! Ok, si tu fais rien, genre il fait des petites animations et tout. Mais j'aimerais bien voir si je peux invoquer ou faire quelque chose en fait. Mais j'ai pas l'impression. Ou du moins, pour le moment, c'est pas le cas. Ou alors, je sais pas c'est où. Attendez, ça c'est quoi? Ah ça doit être les quêtes, non? Ouais, ça doit être les quêtes que tu que t'accomplis ou un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, du coup on est de retour sur l'île du début. C'est vrai qu'on a changé d'île, du coup on peut se balader sur l'autre île. Ça doit être des trucs secondaires, je pense. Genre c'est des quêtes secondaires, quand tu les accomplis, hop, t'as une petite récompense ou quelque chose comme ça. Très bien. Ok, bon, on repart vers la quête principale du coup. Et c'est pas mal parce que ça bug pas du tout, hein. Souvent les jeux où il y a des gens comme ça dans les lobbies et tout, on a des bugs, on a des trucs dans tous les sens, mais là y a pas de soucis, c'est ça qui est ouf. Mais j'ai peur que ça me reconduise sur l'autre île, j'ai pas envie de me faire conduire sur l'autre île, moi. Bon, attendez, on va regarder un petit peu les autres menus. Alors, on doit avoir un système, je pense, pour les amis ici. Peut-être même pour créer une guilde, je sais pas. Ouais, ça doit être des gens qui m'ont ajouté du coup. Ou que je peux ajouter, voilà, parce que ouais, je peux les accepter, quoi. C'est eux qui m'ont ajouté, j'ai l'impression. Très bien. Du coup, là, on a encore une fois tout le système. Ah, on peut faire des emotes et tout. Ah ouais. C'est stylé, ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je les débloque très certainement à partir d'un moment. Ça, pareil. Alors là, on a le truc de chopper. Ça, c'est les trucs à acheter, hein, comme je vous disais.
Dans les jeux comme ça, souvent chinois, il y a beaucoup plus de choses à acheter, parce qu'ils sont beaucoup moins pointus. C'est vrai que nous, bon, quand il y a un shop sur un jeu, les gens sont en mode oh, bordel de merde, c'est un jeu payant, enfin, pay to win, je sais pas quoi. Eux, ils sont beaucoup plus en mode bon. Je sais pas s'il y a moyen de jouer vraiment en free to play au jeu, s'il y a du truc PVP. Je sais même pas s'il y a du PVP, hein, il y a peut-être pas, mais. Tu peux progresser dans le jeu tranquillou, l'air de rien. Enfin, du moins de tous les jeux que j'ai pu tester, on pouvait. Ici, ok, on se retrouve devant les mecs de Baggy, du coup. Et on a la première mission. J'aimerais bien te débloquer s'il y a un système d'invocation ou quoi avant de vous laisser. En fait. Ah oui, on va essayer de focus un autre personnage, du coup, après. En tout cas, c'est stylé les animations. Genre quand tu vois ça, est-ce que j'ai pas l'impression que je puisse focus quelqu'un d'autre? Je crois que le focus est fait automatiquement selon les lignes que tu fais quand tu fais ton équipe. Faut pas que j'oublie d'utiliser des spé aussi, enfin des compétences et tout. En fait, ils mettent un effet de sang là à chaque fois. Ah ça a attaqué les deux par contre d'un coup. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une ligne qui a été prise en fait. C'était pas juste. C'était pas juste le gars devant. Il y a aussi celui de derrière qui s'est pris un petit peu de dégâts. Ok, bon, faut quand même enchaîner assez rapidement. Bon, après, ça a pas l'air bien compliqué. Pour les premiers coins. Ah, je voulais voir, c'est vrai, j'aurais peut-être dû terminer avec Zoro pour voir son animation. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a plus que Zoro et Luffy, pour le coup. Bon, il y a Nami qui va commencer un petit peu à nous arnaquer, j'ai l'impression. Il faut bien qu'elle commence à un moment donné, hein. J'ai envie de vous dire. On la connaît, hein, Nami. Et du coup, on l'a dans notre équipe là? Ah non, on a plus que Zoro et Luffy, ouais. Ok. Et donc, on a à chaque fois leur truc pour leur arbre de compétences là. Alors ça, est-ce que je peux le placer? Non, par contre, alors apparemment, je pense qu'il va mettre un effet. Ah, on peut désactiver, activer nos passifs peut-être, parce qu'on a peut-être une limite de passifs activés en même temps, ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Bah, je peux en lui mettre qu'un. Ok. Ok. Et du coup, j'ai pas de spé de Zoro par contre. Enfin, d'attaque ultime plutôt. Je sais pas où il y en a une. Je sais pas à quoi est-ce qu'on repère une attaque ultime d'une attaque spéciale en fait. Ah parce que c'est pas le même texte qui est marqué en dessous, ok. Du coup Zoro, son attaque ultime, elle serait ici, en fait. C'est celle-ci, j'ai l'impression. Bon par contre j'ai pas de quoi la débloquer. Très bien. On va encore faire un combat, on va voir si on débloque quelque chose pour invoquer ou autre, je sais pas. Et vous me direz, je vais skip les dialogues où il n'y a pas de. Où il n'y a pas de cinématique. Et vous me direz si vous voulez d'autres vidéos, peut-être pour voir un petit peu plus loin le jeu, à quoi est-ce qu'il ressemble. Je pourrais avancer un petit peu, voir les autres menus. Ah, c'est ouf de pouvoir se balader par contre dans les villes comme ça. On peut même rentrer dans certains bâtiments. C'est fou quand même. Ah, attendez, on a peut-être débloqué ce qu'on voulait. What? Mais il y a masse menu en fait. J'avais pas vu ça comme ça. Est-ce que ça serait pas le truc d'invocation ça? Parce que je suis sûr qu'on peut invoquer, hein. Ouais, je crois que c'est le truc d'invoquer. Oh, c'est ouf. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on a une amie en invocation. Ouais, par contre, l'animation, elle est toute stylée, wesh. Genre, t'es là, t'appelles et tout. Ah, c'est méga stylé. Et du coup, là, on peut taper Nami. Effectivement, dans notre équipe.
On a la puissance de notre équipe qui augmente ici. Je sais pas ce que c'était. C'était pour la faire monter automatiquement de niveau, apparemment, avec des objets qu'on a eus. Très bien. Donc elle peut monter que niveau 9 pour le moment. Alors aussi un truc à savoir avec les jeux chinois, souvent c'est pareil. Votre niveau de compte, c'est le niveau maximum de votre personnage. Si vous regardez au-dessus à gauche, moi je suis niveau 9, mon compte est niveau 9. Mes personnes pourront aller que jusqu'au niveau 9 maximum. Voilà, je vous le dis, c'est souvent comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'ai des pierres pour invoquer des trucs Non. J'ai pas l'impression, par contre, l'animation est trop stylée. C'est trop stylé d'avoir des trucs comme ça. Et du coup, on voit les personnages rares là. C'est ça? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ok, là, ils nous demandent de payer avec quoi? Ok, non, je veux pas payer. Je veux pas payer, calmez-vous par contre. Oh, c'est dommage, on n'a pas plus d'invocations? On n'a pas plus d'invocations, en tout cas, j'ai pas l'impression. Peut-être que. Ouais, je peux faire une single, ok. C'est stylé, bon, par contre, je sais pas s'il y a un effet qui s'active ou pas. Oh, on a eu Mister Four! Monsieur 4. Par contre, gros, t'es moche de ouf, hein. Oh, what? Ils ont carrément un truc pour faire un screen direct? Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, ouais, si, je crois que c'est pour faire un screen directement pour pouvoir le partager, genre sur les réseaux. What the fuck? C'est pas mal ça, ok. Attendez, parce que j'arrive pas à comprendre là. Comment est-ce que je sais en quoi est-ce que j'ai assez pour invoquer? Ok, celui-ci je peux invoquer, je peux faire une single. Je sais pas ce qu'il y a comme différence entre les deux. Alors lui, je sais pas comment est-ce qu'il t'appelle. Par contre, c'est ouf d'avoir des persos secondaires à ce point-là. Genre, parce que ça, c'est le... Je sais plus, c'est le quoi, un lieutenant de Krieg, un truc comme ça. Je sais pas quel grade est-ce qu'il a exactement, mais c'est ouf. D'avoir des persos secondaires comme ça, je l'ai jamais vu dans un jeu, genre même Mister Four, je sais pas si j'ai déjà vu dans un jeu, même dans les jeux genre Treasure Cruise et tout, je sais pas s'ils sont dedans. Bon, par contre, regardez bien l'animation de Nami. Ah merde, je voulais l'autre. Bon, on voit qu'ils font un petit peu bouger les boobs, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et du coup là, je peux changer mes personnages ou comment ça se passe? Ah, je peux changer, ouais, mon... On a plusieurs équipes différentes, j'ai l'impression, à BCD. On pourra, apparemment. Je sais pas ce que je fais. Parfois, je vais dans des menus, je sais même pas ce que je fais. Comment est-ce que je change Nami, du coup? Parce que normalement, je peux la changer, mais... Ah, c'est là. Ok, donc j'ai mes autres personnages. Et ben, très bien. Et ben, franchement, très très étonné du jeu. Il a l'air grave grave sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à tester, à me dire. Je vous mets le lien en description, de toute manière, comme d'habitude. Vous pouvez tester. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu. Je pourrais avancer un petit peu, puis vous faire une autre vidéo où on invoque, où on fait un petit peu plus de choses, où on voit un petit peu plus loin au niveau du gameplay même. Mais très clairement, ce genre de jeu, ça serait ouf de les avoir de notre côté, au moins en anglais en fait. Peut-être pas forcément en français, mais au moins en anglais. Mais bon, même si les Japs ne l'ont pas, ben, on peut se dire qu'on ne l'aura pas non plus. C'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est souvent malheureusement les jeux chinois qui sont un petit peu plus fournis, j'ai envie de dire, parce que juste avoir les musiques comme on a là, c'est grave la classe. C'est grave la classe. Bon, sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ciao, bye bye!